Eh bien salut toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Oh, il est 8h19, oh bah ça va, c'est plus tard que d'habitude. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi comme d'habitude, je suis au taquet le matin, j'ai des idées de concepts comme ça. Un concept très travaillé aujourd'hui, très poussé les gars. Du jamais vu sur YouTube. En vrai, je sais pas si ce truc-là en particulier a déjà été fait, mais je me suis dit pourquoi pas. Bon, vous connaissez tous les vidéos réactions à des Reddit. Eh ben, pourquoi ne pas faire la même chose, mais sur un Reddit dédié au jeu Euro Truck Simulator 2. Puisque c'est ce que je fais sur ma chaîne finalement. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et puis vous me dites si ça vous intéresse ce genre de vidéo et on en refait. Let's go! Alors faites pas attention, je sais pas ce que je me suis fait au sourcil là. Voilà, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dû me bagarrer encore, hein, parce que moi je casse la gueule aux gens moi. Je te dessinerai au carré une nouvelle mâchoire. Donc les amis, bienvenue sur le Reddit Euro Truck Simulator 2. Bon alors, il y a des partages de vidéos évidemment sur ce Reddit, des partages de mods. Évidemment les grands classiques, Idiot on the Road, Crashes and Funny Moments. Donc ça franchement c'est des vidéos les gars, mais je pense que vous connaissez tous, hein, ceux qui jouent à Euro Truck, vous avez forcément tous vu ces vidéos là qui sont juste excellentes. Ça me réconforte dans mon idée que je n'aime pas le multijoueur d'Euro Truck, c'est pas pour rien. Oh, Iberia est planifié pour sortir le mois prochain. Les gars, grâce au Reddit, on a du teasing de ouf. Avril 2021, les gars. Mon Scania, il a besoin de plus de puissance de chevaux. Bah, en même temps, y a rien d'anormal de se faire doubler par un bus quand t'es en camion. When the blunt, it's too hard. Enfin bref, le blunt, c'est les cigarettes qui font rire. Et du coup, quand tu... Hein, tac, hop. C'est drôle en vrai. Ne fumez pas, bien sûr. Elle a des ennuis si elle conduit dans la vraie vie. Bah femme au volant, hein. Ah, je rigole. Oh, pff, cet enchaînement. C'est la chose la plus difficile que je n'ai jamais vue sur le jeu. C'est quoi de cette cargaison oversize load? What the... Mais est-ce que ça, les gars, ça existe dans la vraie vie ou pas? Le tracteur comme ça, pour transporter tout ça, est-ce que c'est réellement possible? J'ai peut-être un problème. Ah bon? Mais attends, comment il a fait ça? C'est impossible. À part ça, il était très stylé le camion. En vrai, les LED et tout, ça me fait kiffer. Genre, il roulait sur l'autoroute et d'un coup, il s'est dit... Et hop là. Il s'est fait une... En fait, le camion, il a fait un Michael Jackson avec la tête, tu vois. Who's bad? Ah, c'est trop bien fait, voilà. Ils viennent de comparer, en fait, Mayoa en Espagne. Je connais pas, hein. Mayoa. Dans la vraie vie et sur Euro Truck. C'est sur Street View, Google Maps et tout, ça ressemble à ça. Et dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Et ils ont fait la même chose du coup. Le bâtiment en construction, la maison blanche sur le côté ici là. Voilà. Puis les palmiers bien sûr. Stylé. Wow. C'est trop stylé. On dirait l'image d'un jeu d'horreur un peu, tu vois. Ou alors d'un film triste. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça pourrait être un film qui s'appelle par exemple Dernière route. Ou Dernier métro. Ou Dernier arrêt. Tu vois, un truc comme ça. Genre y'a personne, c'est... Ou alors un jeu d'horreur, je ne sais pas de quel type, mais en vrai, ouah, c'est trop stylé. Ah ouais, c'est chaud. C'est dans la vraie vie ou c'est pas dans la vraie vie ça? 115 degrés la température? Mais attends, mais ouais, du coup ça explose ou pas? Bon, visiblement c'est dans le jeu, je sais pas. Mais par contre j'ai jamais vu ça, ça fait flipper hein. Dites-moi les gars dans les commentaires, 115 degrés c'est quand même vachement chaud non? Quand tu fais la course avec un inconnu et que cet inconnu justement il se crache dans la barrière de péage. Salut mon pote. Bah ouais. Eh ben voilà. As I was saying, everything's fine. Donc vous savez, il y avait l'event et tout où il fallait livrer les vaccins du Covid du coup. Donc c'est ce qu'ils transportent là. Sauf que du coup, ils ont peut-être un peu mal calculé les trucs. Et du coup, il y avait des bagnoles garées. Mais non, mais tu fais comment en fait? Tu sens que le gars, il a le démon quand même là. Eh ben pas de vaccin du coup. Ton camion a des freins. Par contre, la cargaison derrière, elle en a pas. Ah, parce que c'est de la pierre. Transport de la pierre, ah ouais. Ça se passe jamais chez nous ça en vrai hein. Par contre c'est super dangereux en vrai pour le conducteur. Genre là il a de la chatte de ouf. Tu joues à 3/4 MP. Le camion de mes amis ont glitché et j'ai commencé à voler, ça fait un bon fond d'écran. Ah oui, du coup il a vraiment mis ça en fond d'écran, eh, c'est trop stylé, regardez. J'adore. Artificial intelligence please. Ah tu sais, alors les gars vous savez que moi et l'intelligence artificielle ça fait 12. Voyons voir ce qui lui est arrivé. Je le sens bien.
Ok, il se fait doubler, je crois. Non, pas du tout. Ok. Ouais. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Et ça, c'est... Alors ça m'est pas arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. On m'a jamais fait ça. Mais combien de fois je vous ai déjà dit, mais pourquoi ils font ça? Genre, il y a personne devant eux et ils se décalent à gauche. Et ils font ça tout le temps. Vous aussi, les gars, ça vous arrive. Comment ça se fait? Il y a le mec. En fait, regardez, le gars, il s'écrit sur GTA. C'est comme sur GTA, tu sais, quand t'as des voitures avec... ou sur le devant de la voiture, c'est une bonne descente. Donc toi, avec une moto ou une voiture, tu peux passer par-dessus et faire un stunt. Bah, le gars, il a fait la même chose sur Euro Truck. Il est passé par-dessus, quoi. Ah bah oui, bah en plus, du coup. Bah oui, c'est une voiture du GTA Trafic. Bah tout est lié. C'est voilà, jusqu'au bout. Moi aussi, c'est mon jeu préféré GTA sans armes. Genre, en gros, c'est GTA 5, mais la version sans armes, finalement. Alors lui, avec son man, il a percuté la voiture devant lui et le visage du gars résume tout. Oh, waouh! Oh, il est dans le rouge, regardez, il a moins 3564 euros sur son compte. Mais attends, mais là, c'est comment il a fait ça? À quel moment la voiture, elle est comme ça? Ah, mais ça bouchonne peut-être devant, je ne sais pas. Je me pose trop de questions, les gars. En vrai, c'est drôle. En vrai, c'était drôle, je pensais pas, mais c'est super sympa le Reddit Eurotruck. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le petit pouce bleu, l'abonnement, évidemment. Si vous voulez que j'en refasse, n'hésitez pas à me le dire également sur d'autres jeux. Par exemple, on peut voir des Reddits sur Minecraft, en vrai. Des trucs comme ça peut être très sympa. J'ai un problème avec mon micro. Ceux qui me suivent depuis toujours, vous le savez, mais mon micro, il a tendance à avoir des érections. T'es beau. Tu vois? C'est un truc de ouf. Tu m'excites. Ah, il a un peu levé, mais là, il s'est arrêté. Bon, bref. Les amis, n'oubliez pas le pouce bleu et à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, des bisous. Ciao tout le monde.